Yo, salut à tous, c'est Reste de la chaîne Titoumaxi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite application qui va vous permettre de transférer, par exemple, de transférer des photos de mauvaise qualité vers une qualité supérieure, ou alors rendre des photos de mauvaise qualité, une qualité floue, ou alors pas vraiment floue, mais un petit peu potable, à des photos vraiment de très bonne qualité, et de retrouver par exemple des photos de vos anciens smartphones. Par exemple, imaginons que vous avez un téléphone d'il y a 5-10 ans, c'est des anciens téléphones, et prenez des photos bien mais pas vraiment ouf. Mais grâce à cette application là, vous allez avoir la possibilité de rendre des photos en qualité supérieure de nos jours. L'application, comment elle fonctionne? Elle fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais perdre la plupart d'entre vous. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne Tutomax pour ne pas rater les prochaines vidéos, et de laisser un petit pouce bleu, bien sûr, si vous aimez ce genre de vidéo là, et de laisser tout simplement un pouce bleu pour me soutenir, tout simplement. Voilà. L'application que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Remini. Elle est disponible sur le Play Store. L'application est gratuite, mais il y a un abonnement payant. Mais pas besoin de payer. Vous pouvez utiliser l'application gratuitement avec les fonctions de base. Ok. L'application, comment elle fonctionne? C'est très simple. Vous l'ouvrez, vous l'installez, vous ouvrez. Je vais vous mettre bien sûr le lien dans la description, comme toujours. Une fois que vous avez installé l'application, elle se présente comme ça. Tout d'abord, lorsque vous êtes un nouveau utilisateur, elle va vous demander de vous inscrire soit avec votre compte Google ou alors Facebook. Tout d'abord, quand vous êtes inscrit, vous allez être tombé sur cette interface là, et vous allez cliquer sur votre profil. Là, vous pouvez mettre quelques informations, mais ce que nous intéresse, c'est les nombres de photos free. Ok, là j'ai 2, mais pour vous, vous allez avoir 5, car l'application offre 5 photos par jour gratuitement, et ça signifie que vous avez la possibilité de transférer ou alors retoucher 5 photos par jour, tout simplement gratuitement. Voilà. Par exemple, tester l'application, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une photo sur Google, et c'est une photo, par exemple, j'ai cherché ce genre de photo, je sais pas en vrai. Imaginons cette photo-là. Elle est un petit peu floue, c'est une ancienne photo. Je vais la télécharger. Ok. Voilà, et je vais revenir sur l'application, et je vais cliquer sur le petit bouton ici bleu, ok, le premier, et vous allez être redirigé sur cette page-là. Là, vous allez avoir votre galerie. Puis vous allez devoir choisir la photo que vous voulez. Vous cliquez, et par exemple, vous pouvez soit la recadrer, par exemple, ou alors cliquer directement sur OK. Vous cliquez, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir vous regarder une pub. C'est très simple. Par exemple, là, une pub de 30 secondes. Vous mettez mute et vous laissez tourner, tout simplement. Ça va pas déranger, mais moi je vais faire une petite pause. Voilà que la vidéo est finie. Vous fermez la publicité, et vous allez avoir le rendu de la photo. Voilà, la photo était comme ça. Au début, vous pouvez zoomer pour voir les détails, qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Maintenant, vous attendez quelques secondes, le temps que la nouvelle photo, retouchée grâce à l'intelligence artificielle, et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer en vrai. Là, par exemple, si vous cliquez ici, vous allez avoir il a détecté le visage de la femme, comme vous pouvez le voir là. Regardez, son visage est tout flou. Et si voilà le résultat, quand vous pouvez le voir, c'est vraiment bluffant. Ok, nous, qu'est-ce qui va nous intéresser? Voilà, quand vous pouvez le voir, il y a des détails qu'il y a sur l'application, sur la photo. Par exemple, cette femme-là, là, elle est floue. Là, il y a quelques expressions. Là, par exemple, sur la table, il y a quelques détails. Par exemple, le verre de champagne et pas mal de trucs. Voilà, la personne derrière, vous allez pouvoir la voir. Par exemple, les personnes au loin, il y a quelques détails en plus. Par exemple, l'écriture qu'il y a ici, elle est plus en détail, comme vous pouvez le voir. Là, elle est floue. Là, elle est plus en détail. Le menu, il ne faut pas rêver. L'écriture est très petite, mais comme vous pouvez le voir, il y a quelques détails qui sont revenus. Voilà.
Comme vous pouvez le voir, ça c'est l'application que je voulais vous présenter aujourd'hui. Dites-moi si vous aimez cette application. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de rendre par exemple des photos noir et blanc en couleur grâce à l'intelligence artificielle. C'est vraiment bluffant. Si vous regardez le avant et après, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Voilà. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez ce genre de vidéo-là, et de laisser un petit pouce bleu bien sûr si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.